faire mes fuseaux, je viens ici. Je vais prendre une pierre plate, comme la pierre bleue, 6 à 7 cm de diamètre, 5 mm d'épaisseur. Et je vais prendre aussi une ou deux pierres pointues comme les blanches. Comme elles sont plus dures que la pierre bleue, elles vont servir à percer la pierre bleue. Je cherche le point d'équilibre de la pierre bleue. Assez simple. Quand j'ai trouvé, je marque ce point d'équilibre en tournant en même temps que j'appuie. Ensuite, je perce sur cette marque en utilisant une des pierres dures comme une mèche. Pour terminer, un bout de bois mort en travers de la pierre, fixé un peu en force, et puis je le casse à 15 ou 20 cm au-dessus de la pierre. Combien de temps est-ce que ça prend? 1 à 5 minutes pour trouver les pierres. 1 à 5 minutes pour percer. Pour celle de la vidéo, j'ai mis 1 minute. 5 minutes, c'est pour une pierre de 1 cm d'épaisseur. Je précise que j'ai pas des gros bras. C'est juste que ces pierres-là sont pas très dures. Ensuite, 1 à 2 minutes pour le bout de bois. En tout, moins d'un quart d'heure. Pour finir, un petit aperçu du filage. Là, je fais un fil fin, donc avec cette pierre légère, ça ne devrait pas casser. Par contre, elle me donne peu d'inertie. Pour faire du fil fin, ça suffit. Mais pour faire un fil plus épais, j'aurai besoin de plus d'inertie et je prendrai une pierre plus grande. Voilà trois fuseaux. Pour changer de couleur, je peux garder la même pierre. Je casse le bout de bois et j'en mets un autre. Tout ça est simple. Si tu as apprécié cette vidéo, éteins ton ordinateur et sors chercher des pierres.